Économie, électricité, augmentation de la capacité production. La Côte d'Ivoire réaffirme son ambition de hub sous-régional. Le premier ministre Daniel Kablan-Duncan a officiellement inauguré la 6e turbine à gaz de la centrale thermique de la compagnie ivoirienne de production d'électricité, Siprel, le vendredi 24 janvier sur son site de Vridi. Il a par la même occasion procédé à la pose de la première pierre de la turbine à vapeur du projet Siprel 4 du producteur indépendant d'électricité. Débuté en juillet 2012, la construction de la 6e turbine à gaz du projet Siprel 4, appelée aussi phase A au sein de la compagnie, aura coûté près de 60 milliards de francs CFA pour une capacité de production d'électricité estimée à 111 MW, ce qui porte désormais la capacité totale de la société à 432 MW avant l'entrée en service de la turbine à vapeur à fin 2015, une capacité également de 111 MW qui devrait porter à terme la capacité installée de la compagnie à 543 MW. Cette turbine à vapeur permettra de produire de l'électricité sans consommation additionnelle de gaz naturel et évitera ainsi le rejet dans l'atmosphère de près de 500 000 tonnes de gaz carbonique, CO2 par an. La réalisation de la turbine à vapeur nécessitera un investissement total de 165 milliards de francs CFA, dont 35 milliards en fonds propres de la compagnie, soit un investissement total de 225 milliards de francs CFA pour les deux turbines, pour une puissance installée de 222 MW, soit 1600 gigawatts par an, additionnel fourni au réseau électrique interconnecté national et régional. Ce qui ferait de la compagnie Siprel, pionnière de la centrale thermique à gaz, la plus puissante de l'Afrique subsaharienne francophone. Pour le Premier ministre, cette inauguration fait partie de l'amélioration des dispositifs énergétiques de la Côte d'Ivoire. Il a rappelé la pose de la première pierre du barrage de Soubré l'année dernière et la mise en service de 100 MW supplémentaire sur un autre producteur indépendant d'électricité. Notre ambition est de fournir de l'électricité de bonne qualité et disponible en tout temps afin d'être un hub énergétique de l'Afrique de l'Ouest, a dit Kablan-Duncan. Quant au ministre du Pétrole et de l'Énergie, Adama Tunkara, il a souligné que des projets lancés permettront de tripler la capacité de production de 1391 MW en 2011 à près de 4000 MW à l'horizon 2020. Dans la même optique, le ministre a indiqué que les coupures d'électricité ne seront plus que de mauvais souvenirs. Notre objectif est de faire passer le temps moyen de coupure de 57 heures en 2011 à 35 heures en 2015 et moins de 12 heures en 2020, à l'instar des pays développés. A situé Adama Tunkara, le directeur général de la Siprel, Bernard Nguesson, a souhaité que ce projet permette de satisfaire les ambitions du gouvernement de disposer d'une électricité fiable, à coût maîtrisé et accessible à tous.